Padawan, il est l'heure de commencer la leçon. Tu es faible, tu manques de discipline. Ta peur m'a coûté. Oui, je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse, tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi! Plus rien. Salut, BD. BD ? Merci. Allons. Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Ça ne s'est pas passé comme prévu ? Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré, et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cette... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des Frères de la Nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la Force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la Force afin d'obtenir le pouvoir, c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai? Quelque chose d'horrible. Atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière! Le pouvoir... Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les Frères de la Nuit. Contrairement aux Jedi, les Sœurs de la Nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entouré de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Joue la laisse.
Idiot! Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes! Démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Une sœur de la nuit. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Wow, wow, wow! Et tu les amènes ici? Capitaine, c'est le moment de décoller. Nous de là, Gris. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord. Décolle. Raconte-nous. Tu as trouvé le tombeau? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé, quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ?
va commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Cal, ce ne sera pas facile. Ouais, mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Comme tu le sais, de nombreux Jedi sont venus sur Illum chercher leur cristal Kyber. Je me souviens. Maître Yoda nous a guidés jusqu'à l'entrée, mais après ça, c'était l'inconnu. J'avais l'habitude de m'en sortir seule. Mais ça a quand même été une grande épreuve. On m'avait formé selon des protocoles stricts. J'étais paré à tout. En théorie. C'était peut-être ça, la leçon. On ne peut pas tout savoir. On ne peut qu'espérer être capable de faire face à n'importe quel défi. Tout peut arriver ici. Mais je suis prêt. Je le sais bien, Cal. Mais sache que quoi qu'il arrive, que ce soit bon ou mauvais, il existera toujours de nouveaux défis à relever. Et c'est censé me motiver ? C'est censé te rappeler que tu fais tout ton possible. Et que l'échec n'est pas ta faute. Mais l'abandon, si. Que la Force soit avec toi. Sigren, c'est assez, Grise ? Oh oui, c'est bon. Parfaitement convenable. Solidement moyen. Ça passe au poil, enfin presque. Ok, j'ai compris. Je vais voir si je peux en trouver d'autres. Un sabre laser ? Ici ? Je comprends pas. Je sais pas comment tu vas faire, petit gars. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que tu finis toujours par faire le boulot. Sans rire ? Je dirais bien que je suis prêt à parier ma tête, mais je l'ai déjà fait. Trop souvent. Les paris, c'est pas ton truc, Grise. Ouais, c'est pas faux. Mais je mise toujours avec le cœur, et j'ai toute confiance en toi, Cal. Merci. J'essaierai de faire de mon mieux. T'es allé dehors ? Non, mais t'es malade. Les latéraux supportent pas le froid. J'avais jamais entendu ça. Ok. D'accord, c'est moi qui supporte pas le froid. C'est bien ça que tu voulais entendre ? Voilà, tu sais tout sur moi. C'est pour ça que je serai jamais un Jedi. Ouais, voilà pourquoi. Dis, t'as pas un sabre laser à récupérer, toi ? Allez, dépêche-toi, on a une galaxie à sauver. C'est un lieu important pour les Jedi. Quelque chose t'inquiète ? C'est sans importance. Écoute, je me suis très souvent retrouvé à ta place, tu sais, petit gars. Vraiment ? Eh bien, mais non. J'ai pas sauvé la galaxie, mais j'ai connu la déconfiture plus d'une fois. C'est pas facile de se relever, et t'y arrives bien, Cal. Lâche rien. Quand tu voudras partir, fais-moi signe, je serai ici.